il va la faire du mal. Ouais, il va la laisser. C'est plus solide que moi. Oui. Hey, c'est toi qui vas la plus mal. Ouais. Allez, viens. Allez. Viens avec moi. Une bonne année. Dois-je vous rappeler que nous sommes fâchés? Fâchés à mort. Oui, mais ça, c'était l'année dernière. C'était avant-hier. Mais avant-hier, c'était l'année dernière. Voyons, aujourd'hui, une nouvelle année commence. Ah, pas j'ai tourné, nous pourrons repartir sur de bonnes bases. Ah, mais si je comprends bien, vous êtes venu vous excuser. Pas du tout. Je suis venu vous souhaiter une bonne année. Non, pas du tout. Vous ne pourrez vous permettre de me souhaiter une bonne année que lorsque vous serez excusé. C'est une condition. Bien. Déjà souhaité une bonne année. Alors maintenant, on ne peut pas revenir en arrière pour que je m'excuse avant. Voyons. Si, si, vous allez voir. Je vais refermer la porte, vous allez refrapper à nouveau. Et là, plutôt que de faire bonne année comme ça et de me prendre le cours, vous me direz. Monsieur Bordelou, je m'excuse d'avoir squatté une fois de plus votre place de parking. Je m'excuse de vous avoir insulté avant-hier. L'année dernière. Je m'excuse de vous avoir insulté avant-hier, l'année dernière. Et je m'engage solennellement à ne plus jamais squatter votre place de parking. Et quand je vous aurai pardonné, et seulement quand je vous aurai pardonné, si toutefois éventuellement je vous pardonne, à ce moment-là, vous pouvez vous souhaiter une bonne année. Tout ça? Oui, tout ça. Maintenant, je ferme la porte. Et si vous n'ouvrez pas? Pardon? Oui, que vous serez, c'est moi qui sonne. Vous ne voudrez pas ouvrir, puisque nous serons revenus en arrière et que nous serons fâchés, fâchés à mort. Alors je ne pourrai pas vous souhaiter bonne année. Vous tenez tant que ça, me souhaiter une bonne année? Mais je vous l'ai dit, les bonnes bases, tout ça, monsieur Bordelou. Dans ce cas-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Promettez-moi que vous m'ouvrirez. Promettez-moi que vous m'excuserez. Et laissez-moi fermer cette porte. Je suis sûr que vous ne pourrez pas ouvrir. Et pour que je ne puisse pas vous ouvrir, il faudrait que je puisse fermer cette porte. Laissez-moi fermer cette porte. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes rancunier, monsieur Bordelou. C'est très mal de commencer l'année avec ce sentiment dans le cœur. Et c'est très mal d'avoir fini l'autre année avec votre voiture sur ma place de parking. D'autant plus que ce n'était pas la première fois. La première fois quoi? Vous le savez très bien, votre voiture sur ma place de parking. Mais vous ressassez, monsieur Bordelou, vous ressassez. Et ça non plus, ce n'est pas bon. Alors qu'il faudrait démarrer l'année sur une page blanche. Je suis assez grand pour savoir comment je dois démarrer l'année. Et sur cette page blanche, je n'ai pas envie de voir votre gueule, pas plus que dans l'encadrement de ma porte. Maintenant, laissez-moi fermer cette porte. Vous n'ouvrirez pas? Non! Alors je ne vous souhaiterai pas mes voeux! Mais je n'ai rien à foutre de vos voeux! Bonheur, santé, succès, monsieur Bordelou! Tout ce que vous désirez, malgré cette rancœur qu'il y a en vous, je vous souhaite le bonheur le plus grand du monde. Vous êtes encore plus tardé que je pensais, vous. Au fait... Quoi? Je vais vous dire, votre voiture sur le parking derrière. Quoi, ma voiture sur le parking derrière? Elle a brûlé cette nuit. Hein? Et oui, vandalisme de la Saint-Sylvestre, ici aussi. Vandalisme? Saint-Sylvestre? Et les autres autour, toutes cramées, toutes? Mais la mienne, rien, rien du tout. Si vous étiez plus gentil avec moi, je vous remercierais d'avoir insisté pour me la faire déplacer. Espèce de méchant! C'est quand même dommage hein, de commencer l'année avec une telle catastrophe. J'espère que ça n'avance pas toute une série. Ma voiture. C'est pour ça, monsieur Bordelou, que si on vient vous souhaiter bonne année, il faudrait l'accepter. Ça aiderait peut-être à inverser la tendance. Hein. Allez, bonne année, monsieur Bordelou, bonne année. Ma voiture. Bonne année! Sois pas pressé! Hein, c'est la seule fois que tu oses courir. S'il vous plaît, celui qui a des potables, s'il vous plaît, si vous pouvez l'éteindre. Merci. Ah non, tu recommences. À quoi? Qu'est-ce que tu veux? À dire ce que tu as dit tout à l'heure. Non, j'ai rien à dire. Bon, bonne année! Résolution! Rien à dire là. Yeah.
En bourse, son magasin d'électroménager, de ses employés, et comme d'habitude, les employés, incapables, les employés, incapables. Mais c'est joyeux aussi les gosses qui font toujours la gueule, parce qu'ils sont jamais contents de leur cadeau. Hein? C'est joyeux aussi mes parents qui, chaque année, depuis 10 ans, nous ramènent des bonbons, mon chéri, et en profitent pour nous commenter leurs dernières analyses d'urine. Hein? C'est joyeux aussi, ma soeur qui se prend pour Miss Monde et qui est encore plus pathétique que ton arbre de Noël. C'est joyeux aussi, cette putain de dinde a tout en tête à nous servir avec des marrons. Et j'en profite par la même occasion, tu n'as jamais su faire cuire correctement. Antoine, comment oses-tu critiquer mon arbre de Noël et ma dinde? Bah non, c'est pas joyeux. Et pas que ton pneu, c'est pas joyeux. C'est tellement pas joyeux que les gens se précipitent hors de chez eux pour augmenter le bilan des tués sur la route. La route, parlons-en de la route. Bonne route. Bah non, elle est pas bonne la route. À peine t'es monté dans un... une bagnole qui est coincée dans les bouchons. Mais ça fait rien, on continue à se dire bon voyage. Hein? On continue à se dire bon voyage. Mais non, une fois sur deux, on est bloqué dans un aéroport, dans une gare, ou dans un train à Roscarpane. Attention, attention, votre TGV est bloqué en plein droit. Mesdames et messieurs, pour votre propre sécurité, ne tentez pas d'ouvrir les portes. Non mais c'est quoi cette manie de toujours tenter, de toujours souhaiter que tout soit bon, alors que tout est dégueulasse? Bon appétit, et maintenant, bonne continuation, bonne fin de repas, alors que ce qu'on vient de te servir, c'est de la daube, et que la suite est à l'avenant. Alors, à partir de maintenant, on arrête de dire bon quoi que ce soit. C'est compris? Même pas bon anniversaire, ou bien bonne fête. Plus bon quoi que ce soit, c'est clair? Cette année, je déstructure tous les débuts. Je suis désolée de te le dire, Antoine, mais je te trouve extrême. Et je ne te suivrai pas dans cette fuite en avant. Je ne vais pas me fâcher avec tout le monde sous prétexte que mon mari commence l'année en faisant une crise aiguë de refus de rythme social. Socio ! Masculin pluriel social, ça fait socio ! Hein, quand c'est structurant, qu'on en parle à la télé, ok ? Tu te moques de moi en plus. Ben non, je ne me permettrai pas. C'est de la grammaire. Mais ce rite-là, plus personne ne le respecte aujourd'hui. Je ne vois pas le rapport. Moi non plus. C'est vrai, t'as raison. Le sujet, c'était quoi déjà? Ah oui, bonne année. Alors, tu arrêtes de me bourrer le mou en me soumettant bonne année ou bon autre chose, ok? Si tu veux te mettre en marre, Antoine, libre à toi.
Mais moi, je veux continuer à vivre comme une personne bien élevée. D'ailleurs, je vais de ce pas téléphoner à Marie-Ange pour m'excuser de ton comportement hier soir. Mais c'est ça, vas-y. Va déblatérer sur mon compte et profite-en pour lui dire que cette année, bah, je couche plus avec elle. Et toi, quoi, pour elle? Ah, mais... Bah, c'est une résolution. Et en début d'année, il faut prendre des bonnes résolutions, non? Mais Antoine, tu... Bah quoi? Ça aussi, c'est un risque social, tu devrais être content. Tu vois, je ne suis pas si extrémiste que tu pieds. Allez, je vais dormir. Plus tard,
D'abord l'incendie. Éteins la lumière, mon chéri. Moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Ah oui. J'éteins la lumière. Mon n'habitera au toucher, hein. J'ai hissé le grand foc et c'est toi qui tiendras la barre. Merci, Cathy, hein, et bon courage. Et au fait, bonne année. Ah yes. Bonne année! Bonne année! Avec une pelle! Et toi, qu'est-ce que tu dis? Bon, ça fait rien. Rien du tout. Rien. Tu m'avais dit que c'était belle. Ah, ah très dit. Belle. Bon. Excusez-nous, on dit n'importe quoi. Bonne année, monsieur Vidal. Oh, monsieur Pires, on peut dire que vous ne me perdez pas de temps. Oh, c'est-à-dire, je me suis dit, c'est le 1er janvier, c'est le moment où jamais de se souhaiter la bonne année. Oui, mais vous savez, les deux, on a tout le mois de janvier pour se les envoyer. Moi, je viens sur place, monsieur, je suis sur place, donc directement. Oui, effectivement, oui. Sur place, c'est très matinal. Il a à peine 7 heures, monsieur Pires. C'est à cause de l'habitude, de balayage à l'entrée, tout ça, vous savez. Non, aujourd'hui, vous ne travaillez pas, c'est le 1er janvier. Oui, mais je suis programmé. À 6 heures, je me lève. C'est très courageux à vous, monsieur Pires. D'ailleurs, je dois dire que tous les copropriétaires ne peuvent que se féliciter de vos services. Et en tant que président du conseil syndical, et puisque nous sommes le 1er janvier, je tiens officiellement à vous féliciter pour vos services. Bravo, monsieur Pires. Ah, monsieur Pires, vous avez laissé tomber quelque chose. Vous avez laissé tomber quelque chose, monsieur Pires. C'est le calendrier. Je l'ai fait pour vous. Bonne année, monsieur Pires. Vous avez même fait un petit calendrier, mais c'est... Mais vous êtes une paire, oui, c'est Pires. Vous pouvez voir, c'est pour cette année, c'est tous les mois, vous pouvez voir, vous pouvez vérifier. Oh, ouais, merci, merci. Bonne année. Merci infiniment, mais je ne crains même pas d'avoir de monnaie. De la monnaie? Oui, de la monnaie pour les étrennes, le calendrier, les étrennes. Une petite pièce pour service rendu, c'est bien la tradition, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment une petite pièce qui m'intéressait, monsieur Vidal. Bien, bien, monsieur Pires, soyez-vous en train de me faire comprendre que vous auriez préféré un billet plutôt qu'une pièce? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour les étrennes, je m'étais dit qu'une bise suffirait. Une bise, monsieur Pires? Oui, la bise de la nouvelle année. C'est un peu comme une tradition, n'est-ce pas? Certes, mais... Vous vous dites que c'est pas normal qu'un simple gardien demande au... président du conseil syndical, une bise, c'est ça? Mais non, pas du tout, pas du tout, mais c'est très surprenant, comprenez-vous? Alors vous ne voulez pas? Mais si, je ne suis pas rasé. Oh, c'est pas grave, c'est le 1er janvier après tout. Oui, vous avez raison, c'est le 1er janvier, c'est la fête. Alors je peux? Oui, allons-y pour la bise du nouvel an. Bonne année, monsieur Pires. Oh! Enfin, monsieur Pires, mais c'est pas une bise, ça! Mais vous m'avez roulé une pelle! Oui, c'est ça! Mais enfin, si les voisins d'en face sont gardés par leur oeilleton, qu'iraient-ils penser? Ils ont fait la fête toute la nuit, ils ont pas ouvert leur volet, alors leur oeilleton, vous pensez? Ah ouais, mais quand même! Il suffirait de fermer la porte. Pardon? Si vous ne voulez pas que les voisins nous regardent, il suffirait de fermer la porte. Ouais, mais c'est bon, c'est fait, c'est bon. C'est vrai, c'est bon? Non, c'est pas ce que je voulais dire. La bise, la pelle, vous avez aimé alors? Hein? Non, monsieur Pires, pas avec la langue. Vous avez essayé de mettre la langue, monsieur Pires. Je m'excuse. Non, mais
J'ai pas dit que je n'ai pas apprécié, j'étais surpris, voilà tout. Ah, parce que moi j'ai bien apprécié, hein, et je pensais que je recommencerais bien. Le calendrier, vous êtes d'accord de le garder quand même? Écoutez, on va en parler à l'intérieur. Fermez la porte là-bas. Mais c'est impossible, madame, nous allons retourner au bled. Oh mon Dieu,
c'est votre mari qui vous oblige à retourner dans votre courbée. Oh non, c'est affreux, mes états. Dans un premier temps, on ira voir sa famille pour leur donner une partie de la somme. Ah, ils pourront vivre beaucoup mieux, vous savez. C'est ça. Tout pour le mari et les siens. Je ne suis guère surprise, hein, Marita, guère surprise. Dans un deuxième temps, on ira s'installer à Marrakech. Marrakech? Mais Marrakech, mais c'est très cher, Marrakech! Oh, mais les hôtels deviennent hors de prix. Enfin, les bons hôtels, hein, je veux dire. Ben, justement, on choisira un bon hôtel. Ça y est, j'ai compris. Vous cherchez à vous faire employer dans un grand hôtel. Mais c'est pas bête, ça paraît. Ah, non, pas bête du tout. À la Marinière, je me suis amusée à dire qu'ils étaient à la recherche de femmes de ménage. Nous allons faire construire une Marinière 2, madame. Mais 50 millions d'euros, on peut faire construire un hôtel 5 étoiles. 50 millions d'euros, un hôtel 5 étoiles. Mais c'est l'euro million, madame. L'euro million? Mais vous n'êtes pas européens, vous autres. Je suis désolée, madame. Je dois partir. J'ai rendez-vous chez Dior. Chez Dior? Chez Dior, vous voulez dire Dior? Oui, madame. J'ai bien dit Dior. Et pas Lidor Price, si vous avez acheté les chocolats. Au revoir, madame. Et bonne année. Que le 1er janvier j'ai arrêté de fumer. Voilà, résultat, pas une clope depuis 10 jours. On n'est pas censé savoir. Ah, mon Toubi m'avait prévenu. Au début, vous serez d'une humeur de chien. Il aurait pu aussi prévenir ton entourage. Bah, mon entourage, mais il ne connaît pas mon entourage. C'est complètement stupide ce que tu dis. Ouais, bonne chance, hein, salut. Bah, bonne chance. Et pourquoi bonne chance? Parce que si tu te comportes comme ça avec tout le monde, il va falloir un maximum, mon pote. Il y a un peu de compréhension qui m'aide. Excuse-moi, mais dire la ferme quand on te souhaite bonne année, c'est pas le meilleur moyen de susciter la compréhension, tu vois? Oui, bah les gens n'ont qu'à pas me dire bonne année, c'est tout. Sauf qu'en début d'année, tu m'excuses, mais on aurait plutôt tendance à se souhaiter la bonne année. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière ridicule de dire bonne année, à tout le monde et à n'importe qui? Même mon banquier, ce matin, il m'a souhaité la bonne année. Ça n'a pas empêché cet enfoiré de me refuser un découvert. Bonne année, mes fesses, oui. Mais dis-moi, t'es vraiment énervé, là. Je viens de te dire, j'ai pas touché une clope depuis 10 jours. T'es sourd ou quoi? Oh, mais tu vas te calmer, d'accord? Mais je peux pas me calmer, j'y arrive pas. Je sais pas, moi, fais-toi aider, il y a des trucs pour aider au sevrage. T'en as pas parlé, ton tout bide? Les tout bides. Ils en ont rien à foutre, les tout bides. Ils griffonnent des trucs illisibles sur une ordonnance, ils empochent au pognon et passent au suivant. D'accord, mais il a passé un truc, quand même, non? Mais je viens de te dire que c'était illisible. T'es vraiment bouché. Illisible, illisible pour toi. Il y a bien quelqu'un qui doit pouvoir déchiffrer et demander à un pharmacien, j'en sais rien. Et je suis pas plus con qu'un pharmacien, d'accord? Si je peux pas déchiffrer, si personne peut le faire, qu'est-ce que tu vas insinuer, là? Rien du tout, juste... De toute façon, les pharmaciens, c'est comme les toubis. Ils en ont rien à foutre. Ta femme? Mais quoi, ma femme? Elle tient le coup? Mais c'est pas elle qui a arrêté de fumer, c'est moi. Oui, ça, j'ai compris. Elle arrive à te supporter d'arrêter un duel ou? Mais c'est de sa faute, elle est capable de me faire promettre. Oh, bah dis-moi, elle doit pas s'amuser tous les jours. Ouais,
J'en sais rien, il est parti habiter chez sa mère. Ben, je la comprends. Tu la comprends? Tu la comprends? Mais c'est moi qu'il faut comprendre. Mais écoute, mon vieux, t'as fait une promesse à ta femme, elle s'est barrée chez sa mère. Maintenant, plus personne t'obligé de priver et à faire chier tout le monde, merde. Ah ouais, c'est ça. Tu voudrais que je recommence à fumer? Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que tu arrêtes de faire chier ton monde sous prétexte que t'as promis à ta femme que t'arrêtais de fumer, c'est tout. Ok. Allez, file-moi une clope. Je fume plus. Ah ouais, tu fumes plus? Bon, depuis le début d'année. Ah, toi aussi? Oui, sauf que moi, j'arrive à gérer. Ah ouais, tu fais comment? J'ai un patch. Un patch? Oui, un patch. P-A-T-C-H. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est pas la peine de me faire une leçon d'orthographe. Je sais ce que c'est qu'un patch et comment ça s'écrit. Bon, parce que comme t'avais l'air... Mais l'air de quoi? L'air d'un con, c'est ça? Mais dis tout de suite que je suis débile. Mais t'es pas débile. T'es juste insupportable et là, franchement, tu m'excèdes. Ah, mais je croyais que tu gérais avec ton patch. Mais c'est pas le manque de clopes qui me met sur les nerfs, c'est toi, Stéphane. Et contre les excités comme toi, il y a qu'un remède. La fuite. Allez, bonne année, hein. Ciao. Ouais, c'est ça. Barre-toi. Égoïste. Crétin. Non-fumeur. Je veux dire que ce mec-là m'a souhaité la bonne année. Mais tous des enfoirés dans cette boîte. Bonne année! Bonne année! L'accident! C'était obligé. T'as eu un accident? Carabiné. Mais si. T'as encore picolé? Pas du tout. Et quand tu picoles, tu sais que tu fais rien du tout, tu vas nulle part. Mais c'est pas grave. Ouais, on verra la prochaine fois. Bonne année. Tu bois un coup? Bah oui, évidemment. Eh ben, je t'attendais plus. Alors, ça s'est bien passé? Bah non, hein, pas vraiment. Hein. En rentrant, je me suis fait contrôler par la police. Dans le cortège, c'était tout bordel. Alors comme évidemment, j'avais un peu de but. Bah normal, c'était la réunion. Bah oui, c'est normal. Bah les flics, eux, ils sont pas trouvés sans normal. Amende et retrait de permis. Hein. Oh la thune! Ouais, retrait de permis immédiat. Et la bagnole? Immédiat aussi, hein. Oh la fume, ouais. C'est comme ça dans ton pays, hein. Le 31 décembre, hein, t'as une bagnole, et le 1er janvier, on t'en a plus. Et comment t'as fait pour rentrer? Parce que j'ai téléphoné à mon frère, hein, il vient me chercher, évidemment. Hein. Bah dis donc, t'as eu de la chance qu'il soit dispo? Bah il était pas, évidemment, hein, il était en train de faire la fête avec ses amis, hein. Ouais, mais bon, il est quand même venu te chercher. Oui, il a venu me chercher. Mais en rentrant, il roulait vite, ça glissait, et barda, je suis tombé dans le ravin. Oh la tuile! Ouais. En fait, il était complètement torché. Moi je dis que quand on a dépassé la limite, il ne faut plus prendre le vol. Bah apparemment, j'en ai bien sorti, non? Oui. T'as pas l'air. T'es bien là, t'es pas blessé? Bon, ça va, hein, c'est mon frère. Hein. Oh la tuile! Blessé ou plus? Oh, il m'a dégueulé dessus. Une putain de bonheur. Ouais. Il avait trop bu et trop bouffé, là. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est à lui qu'on aurait dû retirer le permis, hein. Pas à moi. Hein. Mais les flics, c'est jamais des bons qu'ils arrêtent. Bah dis donc, pas très gentil pour ton frère. Bah je te rappelle qu'il m'a dégueulé dessus, hein. Bah, et comment t'as fait pour ça? Bah après, j'ai dit que j'avais déjà mon frère, puis après on a fait l'accident, et puis on a fait la... Voilà, on a laissé coincer 2 heures. Hein. Ouais, mais bon, il est quand même venu te chercher. Ouais, il est venu te chercher. Et si on l'avait pas arrêté, il n'aurait pas pu rentrer. Effectivement, si on l'avait arrêté, ben, j'aurais téléphoné à quelqu'un d'autre, hein. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, sauf erreur ou omission, j'ai pas ton numéro de téléphone à toi. Non, pas d'erreur, ni d'omission. Tu pourrais me le filer au cas où? Au cas où quoi? Bah, tu sais, avec ces enfoirés de flics... J'ai toujours pas de bagnole, moi. Hein. Bah, dis donc. Dis donc, mais. Ah.
C'est toi qui sens comme ça, là. Dis donc, tu sais que tu sens encore dégueulé. Pas comme du tout. Ah si, je t'assure. Et tu sais pourquoi tu sens dégueulé? Parce que les mecs comme toi, ça fait gerber. Allez, bonne année. Connard. Ouais, on en est, du con. Et que ça devient contre-productif.
Contre-productif? Oui, contre-productif. Attends, là, c'est un horoscope, pas le dérage de la boîte, hein. Et je trouve limite de mauvaise foi de mettre sur le dos mon horoscope, il est contre-productif. C'est quand même écrit très clair, tu vois bien. Ah! Mais attends, je regarde le mien. C'était quoi, toi? Capricorne. Et alors, ils disent quoi? Oh, écoute, ça a l'air pas mal. L'horoscope pour la nouvelle année sera favorable à nos amis taureaux, vierges et capricornes qui profiteront du mois de juin dans l'influence bienfaisante de Jupiter et ce jusqu'à la fin de l'année. Tous les trois ressentiront un véritable vent de nouveauté soufflé sur leur vie. Oh, la période sera idéale pour se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles et amoureuses. Bah, si je comprends bien, non. Jupiter va passer 6 mois en bélier, et après c'est toi qui récupères. Oui, je crois que c'est comme ça que c'est écrit. Alors, écoute-moi bien. Si tu essayes de mettre la main sur François en profitant de la trajectoire de Jupiter, et que tu fais du drague au DRH pour de nouvelles aventures professionnelles passées de bon, et tout à l'heure! Ah! Hein? Mais on n'a pas vu! Ah! Mais on n'a pas vu pour que tout s'éteint la fin de maladie! Ah! Ah! L'année de la guerre! Ah! Et méfie-toi, parce que moi j'ai Saturne dans la maison! Ah! Hein? Ça veut dire très fort dans tous les temps! Ah! Dans mon nom! Ah! Enfin, que c'est pour un horoscope! Ah! C'est ça! T'as rien senti du tout. Moi, je l'ai senti. Je l'ai même reniflé, et très près même. Plus près que toi, en tout cas. Par contre, pas de détails scabreux avec ta mère, tu veux? C'est toi qui as commencé, là, je l'ai senti. J'ai pas utilisé le verbe sentir au sens physique. Je l'ai utilisé au sens moral. Et ben moi, dans le sens horizontal. Bon, alors, que tu insistes dans ce registre, laisse-moi te dire que tu as eu tort de coucher avec cette fille, là. Putain, mais c'est trop relou comme tu me pêches ce matin, sérieux. Il y a des choses qui méritent d'être dites, hein, et tout particulièrement un 1er janvier. Ah ouais, parce que maintenant, le 1er janvier, c'est leçon de morale. Le 1er janvier, il n'est pas interdit de faire le bilan de ses erreurs et de prendre de bonnes résolutions pour l'année à venir. T'inquiète. Pour l'année à venir, je ne baiserai plus avec Céline. Il ne s'agit pas de Céline en particulier.
Quoi? Tu voudrais plus que je baisse en général, c'est ça? Putain, cesse de prononcer ce mot, tu sais pertinemment qu'il m'insupporte. Toi alors, cesse de me gonfler avec tes conseils de bonne sœur, là, sur ce que je dois faire ou pas avec les gonzesses, ok? Tu respectes rien, c'est ton problème, hein? Ouais, c'est mon problème. Oui, bah sauf que nous vivons sous le même toit. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu voudrais que je dégage? Pas du tout, tu m'as pas laissé finir. Oui, bah c'est quoi là? On a dû, nous vivons sous le même toit. Tu veux que je me tire d'ici, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais, je m'inquiète, là. C'est bon. De toute façon, le message a reçu 5 sur 5. Cette année, je me tire d'ici. Ah oui? Pour aller où? Et avec quel argent? T'as déjà, vous avez filé 250 euros. Hein? 250 euros? Ouais. Pam avait filé 200 pour les étrennes l'année dernière. Oui, j'étais pas au courant. Que Cali demandait. Et puis, 200, c'est pas 250. Bah, tout augmente, non? Toi-même, t'arrêtes pas de dire « Ah, c'est fou tout ce que tout augmente !» Moi aussi, il faut que j'augmente. Je suis dans le mood. Mon pauvre Victor. Ouais, c'est ça, je suis pauvre. Parce que Julien, eux, c'est rentre, ils m'ont filé 500 boules. Julien, le garçon qui a organisé le réveillon hier soir chez lui. Ouais. Oh. Je croyais que tes copains étaient tous des cons. Tous, sauf lui. Lui, il a vraiment assuré. C'était pas la liste pourrie là, sur les bonnes résolutions du 1er janvier. Il a même vomi avec moi dans le jardin. Vous avez? Ouais. Il leur a soutiré 500 euros à ses fossiles. Alors 250, ça le fait, franche. C'est pas cher par rapport à Julien. Il n'en est pas question. J'en étais sûr. C'est vraiment trop relou de vivre avec des radins. Mais Victor, est-ce que tu te rends compte de l'énormité de ce que tu... Dire qu'à cause d'eux, je vais devoir rester ici, quoi. Victor, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu fumes dans la maison. Ben, tu vois, quand je suis vénère, faut que je fume pour relâcher la pression. Et là, tu me mets grave la pression, en plus de Céline, cette nuit-là. Ton degré d'énervement ne change rien aux règles que nous avons fixées l'an dernier, hein? Ben, cette année, il va falloir faire des concessions, puisque vous ne me laissez pas partir. Jean-Paul, viens parler à ton fils, parce que moi j'ai déjà épuisé mon capital patience. Non mais alors toi tu lui as donné 200 euros l'an dernier, alors voilà. Bonne année la famille. De rien.
Dis-moi, comme tu me souhaites vraiment une bonne année et une bonne santé, je voulais savoir, j'ai vraiment si mauvaise mine que ça. Mais t'as très bonne mine, t'es rayonnante, resplendissante même. Voilà, t'exagères, je sors d'une gastro, je suis encore toute barbouillée. Voilà, je t'assure, ça se voit fort. T'as une mine superbe. Et ça, c'est parce que j'ai mis de la crème bouillon. Sous le fond de teint, je suis livide. Normal, une gastro, ça peut partir. Mais bon, dans deux jours, c'est fini, il peut rien y parer, hein. Mais ça fait 4 jours! Oh, mais 2-4 jours! Ça dépend des virus, faut pas s'inquiéter! Parce que tu penses que c'est un virus? Oui, ben oui, oui, je crois! Enfin, je suis pas sûre non plus, non? Et si tu sais, tu viens dire que ça dépend des virus, faut pas s'inquiéter! Et si c'est un virus, excuse-moi, mais il y a des raisons de s'inquiéter! Et puis si ça se trouve, c'est encore plus grave qu'un virus! Ben oui, si ça se trouve, c'est. C'est une appendicite, une péritonite, une occlusion intestinale, encore pire. Oh mon Dieu. Eh ouais, faut se méfier avec ces trucs-là. On croit là que c'est un petit bobo de rien du tout. Et puis finalement, c'est un truc super grave. Tu sais, j'ai entendu dire qu'une péritonite, une occlusion, ça pouvait être fatal. Fatal? Eh ouais, c'est que tu peux en mourir, hein. Eh ben... Qu'est-ce que t'as tout d'un coup? T'es toute pâle. Mais comment tu peux voir ça? J'ai mis des tonnes de fond de teint. Oh, ben, je suis désolée, mais ça se voit quand même. Hein. Oh, qu'est-ce que t'es blanche? Ben, c'est la gastro, je t'ai déjà dit. Oui, mais t'es sûre que c'est une gastro? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton médecin? Il m'a rien dit. Je l'ai pas vu. Quoi? T'as pas vu le médecin? Mais... Il est en vacances aux Maldives, mon médecin. Et ben voilà. Et pendant qu'il se dort, et pilule aux Maldives, toi t'es là en train de te tordre de douleur. Je me tords pas de douleur, faut pas exagérer, hein. Oh ben excuse-moi, mais je te trouve quand même un petit peu légère sur ce coup-là. Hein. Je dis pas ça pour t'inquiéter, mais franchement, je ne vais pas prétendre que tu te sens bien, là, parce que je te croirais pas, hein. C'est vrai, je me sens un petit peu barbouillée. Ah, tu vois? Écoute, hein, tu fais comme tu veux. Mais moi, si j'étais toi, ben, j'attendrais pas une minute de plus et j'irai voir un médecin de toute urgence. Parce que tu sais, hein, dans ce genre de pathologie, chaque minute compte. Mais je t'ai dit qu'il était en vacances, on m'a dit, mon généraliste. Oh, mais on s'en fout, ton généraliste. C'est un spécialiste qu'il faut aller voir, directement, allez. Mais un spécialiste de quoi? J'en sais rien, moi. C'est toi qui as mal, c'est toi qui peux le dire. Léa, est-ce que tu peux m'emmener aux urgences? À l'hôpital, moi? Oui, parce que comme ça, si je m'évanouis dans ta voiture, tu pourras leur expliquer pourquoi. Ah, mais bébé, il est hors de question que tu t'évanouis dans ma voiture, hein? Tu me laisses tomber? Pas du tout. Pas du tout. Mais ma voiture n'est pas équipée pour transporter une grande malade. Voilà. Ah, ça y est, tu l'as dit. Je suis une grande malade. Ah, ouais. C'est une grande malade. Une grande malade de la tête, oui. Béa, fais quelque chose. Béa, je suis folle, je t'en prie. Oh, Béa, aide-moi, je t'en supplie. Oh, Béa, je me sens pas bien du tout, là. Allô, vous comptez? Oui, va derrière moi aussi, merci. C'est ça, c'est pour une urgence. Dites, vous ne connaîtriez pas un bon psy, là, qui ne soit pas parti en vacances aux Maldives? Oh, bah alors, c'est pas grave. Passez-moi donc la cellule d'entraide psychologique. Bonne année! Bonne année, fiscal! Je t'ai payé tes impôts. Ça ne fait pas, il y a un ami qui va les payer pour moi. Quel sens que tu as? Jusque ça, hein, qui arrive à obtenir quelque chose. Justement, ça va très bien. Janvier, 8h du mat, contrôle surprise de l'URSSAF.
Ah ouais, parce qu'ils font des contrôles surprises à l'URSSAF. Attends, je rêve, j'hallucine. On n'avait pas encore ouvert le bureau que Gazi attendait devant la porte. Oh là là. Mais à part la mauvaise surprise de l'avoir devant chez toi et le temps qu'ils t'ont fait perdre, t'avais rien à craindre, quoi. Non mais attends, tu les connais pas ces mecs-là. Même quand il n'y a rien à trouver, ils trouvent quelque chose. C'est quoi, ils ont trouvé quelque chose? Bah évidemment, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Ah ouais. Ils t'ont redressé? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont emporté des dossiers, ils ont dit qu'ils me convoqueraient pour moi. Oh là 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 là. Mais c'est pire qu'en Russie au temps du KGB, ton histoire. Mais pire, tu vois. Même quand t'as rien à te reprocher, ils font en sorte que tu te sens coupable. Et tu te sens coupable? Bah évidemment, parce que j'ai rien à me reprocher. Oh là 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 là, quel début d'année. Remarque, moi c'est pas mieux. Non, pas possible. Contrôle surprise de l'URSSAF, toi aussi? Non, non, c'est mon gamin. Francky! Ouais. Tu sais qu'il avait passé des concours administratifs? Ouais, tu m'en avais parlé, là. Bah voilà. Non, il a été recalé? Non, non, il a réussi. Ah, non, je comprends pas, là, je comprends plus. Tu devrais être content, c'est une bonne nouvelle, non? Non, non. Il a été reçu au concours d'inspecteur des impôts. Il est inspecteur des impôts! Ouais, c'est trop la honte, hein. C'est pour ça que j'ose pas trop en parler autour de moi. Ah bah ouais, je comprends. Hein. J'essaie de faire bonne figure, toi, de dire bonne année avec le sourire, mais tout ça c'est qu'une façade. Hein. Ouais. Parce que ma femme et moi, on est effondrés. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, son premier contrôle fiscal, il l'a fait à la maison. Oh le salaud! Alors, t'as raison, c'est un salaud. Et puis un interrogatoire en règle. Tout venait l'argent de poche qu'on lui avait donné pour Noël, où étaient les tickets de caisse des cadeaux. Tout. Il avait tout noté sur un petit carnet depuis 3 ans. Le petit enfoiré. Et tu sais, quand il rentrait le soir, il faisait comme si rien n'était. Hein. Bonsoir papa, bonsoir maman. Vous lui avez dit de bon, j'espère? On peut pas, on n'a pas osé, il nous tient, tu comprends? Ouais, mais bon, vous êtes comme moi, vous n'avez rien à vous reprocher. Bah non, rien du tout, non. Mais vous, c'est pire que moi, c'est dans la famille, la délation en famille. Exactement. Eh ben ça va faire mal. Mais ça va faire très mal. Ouais, comme je disais, vous, c'est pire que moi. Bon, bah écoute, on se dit bonne année quand même. Alors c'est déjà dit, je crois. Ouais. Formule de merde. Famille de merde. Allez de merde. Je vais pas finir, quoi. Bonne année. Je vous annonce la fin du monde. Désolée. Bonjour Gauthier, bonne année. Bonne année Steph. Sauf que cette année, il faut dire bonne année moins 10 jours. Ah bon, mais pourquoi on a retiré 10 jours au calendrier? Quoi, mais t'es pas au courant? Ah ben non, je suis pas au courant. C'est la fin du monde. Hein? La fin du monde? Ben ouais. Cette année, le 21 décembre, c'est la fin du monde. La fin du monde? Ben ouais, boum, la disparition de la planète Terre, tu vois, quoi. Comme tout peut marcher, c'est impossible. Non mais t'as rien compris, quoi. C'est ça. Tu fais semblant, tu veux pas admettre. Ah ben non, mais du tout, je savais pas. Tu sais, ça sert à rien de faire l'autruche. Hein. Le 21 décembre, c'est game over. Oui, game over, c'est un terme en anglais. Ça veut dire, quand le jeu est fini, on dit c'est game over. Ah, mais j'ai compris, la fin du monde, c'est un jeu. Non, mais tu fais exprès ou quoi? Pas du tout. Oh la vache, tu fais marcher, c'est toi qui me fais marcher, là. Sérieux, t'as pas compris. Cette année, à 21h, le 21 décembre, c'est la fin pour tout le monde.
Oh la vache. Dis donc, ça jette un froid, hein. Tu m'étonnes. Chez Christian, ça flippait grave sous les casques. Chez Christian la coiffeuse? Ah ouais. Tu sais même que Steve, il a annulé ses vacances aux Seychelles, quoi. Ah, non. Si, je te jure. Et puis Dylan et Steven, ils se séparent. Oh, oh non. Mais pourquoi? À cause de ta... Tu comprends rien, toi. Ouais. Et toi, tu veux faire quoi, toi? Quoi, pour la fin du monde? Bah oui. Je suis pas une grosse taf avec mes potes en 31, puisqu'on pourra plus. On t'annonce la fin de l'humanité, et toi, tu fais une grosse taf, hein, évidemment. Grave, et je crois que je vais aller skier à la Gay Week à l'Alpes. Ça va être trop bien. À l'Alpe... Bah l'Alpe d'Huez, quoi, l'Alpe du merde. Pff, t'es trop ringard. Parce que tu sais skier, toi, peut-être. Bah non, mais je m'en fous. Je vais faire du freeride avec les guidos. Je pourrais mater leur cul, tu vois. Évidemment, dans ces cas-là... En plus, tu sais ce qu'il y a à l'Alpe? Cette année, ils ont fait la folie douce. C'est trop bien. Mais non, pas du tout. La folie douce, c'est à Courchevel. Mais non, banane. Il y a une folie douce à Val d'Isère, à Méribel, je crois. Et puis à l'Alpe, quoi. Et en plus, à ce qui paraît, les danseurs, ils sont trop canons. Je te jure. C'est quand? En février, je te dis. J'ai un paquet de RTT encore à prendre, tu vois. Et on peut faire quoi d'autre à part la folie douce? Parce que ça, c'est la journée, ça. Bah ouais, après, bah, tu vas au cave, pendant les gimmicks. Il y a les backrooms, c'est trop bon. Les backrooms, quoi, les chambres noires, quoi. Putain, t'es vraiment naze. Moi, je te dis, l'anglais, c'est dans mon lit. Ben justement, l'Alpe d'Huez en plus, c'était un peu culturé, tu vois, un peu comme moi. À ce qui paraît, il y a une troupe de théâtre, elle est géniale. Wow. Bon, on voudrait vous demander un favor ou un service, c'est pas comme on dit. Vous nous permettez qu'on vous chante une chanson, même que vous n'allez rien comprendre. Ça va être en espagnol. Hein? Oui ou non? Oui! Bon, toi, quatre. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Donde se lavan las guapas, donde se lavan las guapas, donde se lavan las guapas, porque fea no hay ninguna. Ya se murió el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Y ahora dormirá en el suelo. Y ahora dormirá en el suelo. Y ahora dormirá en el suelo como cualquier animal. Yeah.